te réveiller. Hein? Cloud, ça va? Oui. On est où? C'est ici que j'habitais, quand j'étais petite. Tu ne crois pas que tu devrais te reposer un peu plus longtemps? Mais si ça te suffit... Quand j'étais ici avec ma mère, c'est dans cette pièce qu'on dormait. C'est curieux. Rien n'a changé ici. C'est moi qui t'ai porté jusqu'ici. Tous les matins, il venait pour emmener ma mère quelque part. Je restais seule. Souvent, je pleurais. Iris, avant notre fuite, tu peux nous raconter, même si c'est compliqué. En réalité, je suis une survivante des anciens. Ça, vous l'avez compris, j'imagine. Ah! Cette appellation d'ancien, elle nous a été donnée par la Shinra. À l'origine, on nous appelait les Cetra. De la planète, nous naissons. Avec elle, nous parlons. Et sa voix, nous écoutons. Et un jour, à la Terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend sur cette Terre, don de la planète. Quel savoir ? Tu me flattes. En fait, je croyais que c'était qu'un conte pour enfants, moi. Pas la Shinra, c'est sûr. La Terre promise, ils la cherchent depuis longtemps. Et toi, tu sais où elle se trouve, cette soi-disant Terre promise ? Pas du tout. Un jour, peut-être que je le découvrirai. Mais là, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est la Terre promise des anciens. Enfin, c'est la tienne et celle de ton peuple. Même si ça devait être un lieu somptueux où la Mako abonde, la Shinra a pas le moindre droit dessus. Et ils veulent l'accaparer, c'est ça? Pouah, leur cupidité me débecte. Bon. Toi, Cloud, tu vas emmener Aerys hors d'ici. Moi, je vais défoncer ces salauds avant de rentrer. Non, attends. À vrai dire, c'est compliqué. Bordel, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore, ces trucs-là? Ils sont créés par la Shinra ou quoi? C'est des fileurs. Le terme de gardien du destin est ce qui les définit le mieux. Ils apparaissent devant ceux qui essaient de changer le cours du destin, et leur font rectifier leurs actes. Du destin? Comment ça? Autrement dit, c'est le cours qui va de la naissance de la planète jusqu'à sa mort. Et ce cours de la vie est prédéterminé. C'est bien ça? Oui. L'énergie de la planète sera bientôt épuisée. C'est vers cet avenir désespéré qu'ils veulent nous conduire, ces maudits fileurs? Attends. Comment ça se fait que tu saches autant de choses, toi? Tu fais mine de t'y connaître, mais tu dirais pas n'importe quoi! Ah, mais en fait, t'es un clébard de la Shinra! Je suis pas un chien. C'est au moment où Aerys m'a touché que j'ai appris l'existence des fileurs. S'il vous plaît. Écoutez. Aerys. Notre véritable ennemi, c'est pas la compagnie Shinra. C'est bien eux qui ont tout commencé. Mais ce qui nous menace, c'est autre chose.
Je voudrais faire mon possible, coûte que coûte, pour vous tous et la planète. Aerys, qu'est-ce que tu sais au juste? Pour l'instant, je suis perdue. Plus j'avance, et moins je sais où aller. Quand les fileurs me touchent, j'ai l'impression de perdre un bout de moi. Les fleurs jaunes, c'est elles qui montraient le chemin. Ça ira. On va y arriver. Ouais. Eh ben. C'est là que vous étiez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous se faisiez un sacré souci. Wedge. T'étais là. Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Elmira et ses petits plats m'ont vite remis sur pied. Mais c'est vraiment pas le moment de bavasser. Bientôt on va... Qu'est-ce qui se passe? Une bombe? La branche principale passe à l'attaque. Ils vont semer la pagaille et attaquer le président. Ça complique les choses. L'explosion a déclenché la procédure de confinement. On est enfermés alors. Début du confinement. Gardez votre calme, jeune fille. Regardez, vous pouvez encore vous déplacer dans les laboratoires. Vous pouvez aller sur le toit? Un hélico d'avalanche vous y attendra. Quoi? Un hélico du QG? Après ce qu'on a fait, ils voudront pas nous aider! Je leur ai demandé gentiment. Je les ai même suppliés. Merci. Bon allez les gars, à plus tard. Il exagère, on lui avait rien demandé. Oui mais... il nous a sauvés. Hein? Enfin, il perd rien pour attendre. En gros, faut qu'on essaie d'aller vers le toit, quoi. On peut utiliser la pression. Vous êtes sûr que c'était par là, l'ascenseur? Certain. L'odeur de Ocho flotte encore par ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vraiment bizarre. Tous les incubateurs sont vides. Ça sent mauvais, ça. C'est par là. Ben, comment on fait? On va leur faire voir. Allez, ensemble. Je vais te montrer ce que je sais faire. Je peux faire.
Stop là. Ah, c'est chaud, bordel! On y va. Oui. Oh. On est où, là? Le terrain de jeu de Hojo. C'est le secret de la Shinra. Dommage qu'on n'ait pas le temps de tout défoncer. Faut vite qu'on aille sur le toit. C'est quoi ce truc? Genova. Mère. Reprenons cette planète ensemble. Je le savais, ma théorie était correcte. Pour la suite, j'espère que tu ne me décevras pas. Faut que je les retrouve.
Ils ont l'air solides. Besoin d'aide? Volontiers. Qu'est-ce qu'il y a? Ce levier, il n'est pas du bon côté. Je devrais pouvoir l'atteindre. T'es sûr? Oui.
t'en fais pas. Ouais, enfin, c'est facile à dire. Une sortie? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on retrouve Tifa et Aerys. Après, on se casse. Doit bien y avoir un ascenseur. On a perdu du temps, mais ça change que dalle, en fait. Hop, en route! Il a verrouillé la porte. Faut continuer d'avancer. T'inquiète pas pour Cloud. Ces derniers temps, il n'est pas lui-même. C'est vrai, mais je sais qu'il est solide. Et toi, Tifa, tu tiens le coup? Oui, bien sûr. J'arrive! Bon, ben, ça doit être le laboratoire numéro 3. On dirait. Mais la porte a l'air fermée. Peut-être qu'on peut l'ouvrir d'ici. Cherchons comment faire. D'accord. Cloud, tu m'entends? On a trouvé la porte du laboratoire numéro 3. Mais on peut pas l'ouvrir. Ah bon? Tiens, j'y pense. Les préparations dont parlait Ojo... elles ont peut-être à voir avec ce truc? Le terminal central. Thank you.
On dirait que c'est à moi. Il n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Traverser en bas. Il faut le dire à Cloud. Compris. On va essayer d'aller jusqu'au terminal central. Bougez pas, on vous rappellera. Il est censé étudier quoi, l'autre ordure? Le fléau venu du ciel. Genova. Pour Ojo, c'est toute l'œuvre de sa vie. Son CV, j'en ai rien à foutre. Concrètement, les expériences qu'il fait ici consistent à implanter des cellules de Genova dans des créatures et des machines diverses. Il cherche à renforcer ses cobayes. Ojo est en train de nous utiliser pour parachever ses créations. Y'en a, ils sont vraiment malades. Quoi qu'on fasse, les spécimens de Ojo sont condamnés. Abrégeons leur souffrance. Commençons par trouver un moyen d'aller au centre de la barrière. Équipe. Ouais.
n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Devant le laboratoire numéro 3, c'est bien ça? Il y a 4 interrupteurs. Un par laboratoire, peut-être. Ça fait quoi? Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Tu m'entends? On a activé le terminal central. Ça doit être ouvert. Le labo doit être rempli des créations de Hojo. Ne prenez pas trop de risques. Merci. On va voir et on revient. J'ai le droit de fuir, là ?
Regarde. Passons par en haut. En dessous. S'il se passe quelque chose, on vous appelle. D'accord. Faites attention à vous. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée.
Ça sent pas bon. Encore une expérience. Ça va sonner.
Ça va. Tu vis tes derniers instants. C'était quoi ce machin? Yojo. Désolé, il est parti. Cherchons la sortie. Vraiment.
Il sait pas que les meilleures sont les plus courtes. Il faut que tu aies d'ascenseur derrière toi. Je vais appeler Tifa et Aerys. C'est le labo numéro 4. Mais pour ouvrir la porte, on doit retourner au terminal central. L'autre porte s'est refermée derrière nous. On fait comment ? J'espère qu'on n'est pas coincé. Téléphone. On demande aux filles si elles peuvent aller jusqu'au terminal central. Essayez.
J'y vais. Il ne reste plus que le laboratoire numéro 4. Faisons confiance à Cloud et Barrett. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ça va aller. Pas vrai? Oui. Appelons Cloud pour le prévenir. Tina? Oui. On a trouvé un ascenseur. C'est vrai? Super. Le problème, c'est qu'il ne marche pas. Ojo a dû le désactiver. On n'a pas le choix. Il faut aller au laboratoire numéro 4, comme il le souhaite. La porte de votre côté devrait être ouverte maintenant. Compris. Restez où vous êtes. Bon, on retourne à la porte du labo. Je dois commencer à se demander ce qu'on fabrique. Ouais. Tu sais, il t'admire beaucoup. C'est possible. Wedge, c'est un mec timide, en fait. Oui, on a ça en commun. Et quand on a des emmerdes, on peut compter sur lui. Ça aussi, vous l'avez en commun. Ça va piquer. Ça va faire mal.
pas. Y'a rien qui pourra m'arrêter. Vous ne me décevez pas. Vous m'avez procuré des données utiles. Commençons la prochaine phase de l'expérience maintenant. Ouais, l'ascenseur remarche. C'est peut-être un piège. Non, ici les ascenseurs sont normaux. C'est vrai? Alors, ok. On est arrivé? J'en ai pas vraiment la pression. Drôle de bruit. Quoi ? C'est une porte ? La porte est verrouillée de ce côté-ci, on dirait. Alors, on leur ouvre. Attends. Ça fait longtemps ? Ouais. Nous voilà enfin réunis. Avec toutes ces conneries, on n'est pas en avance. Par ici, il y a un ascenseur. Hein ? Enfin, encore faut-il que Ojo nous laisse l'utiliser.
Super! L'ascenseur fonctionne, on dirait! Ojo s'est suffisamment amusé avec nous. Il faut dire qu'on a bien travaillé! Tout ça pour revenir ici. Ouais. Oh! Centrale avec l'autre ascenseur. Si vous avez quelque chose à finir, c'est maintenant. Je suis prêt. C'est parti. Attendez, j'entends quelque chose. Aidez-moi! J'ai toujours rêvé de t'entendre dire ça. Pitié! Je vais lâcher! Ah! Je vous donnerai n'importe quoi! C'est vraiment pas une question de fric, tout ça. Sauvez-moi! Je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, moi je veux pas grand-chose en réalité.
Si tu pouvais crever, la quasi-totalité de mes souhaits serait exaucée. Mais... je suis sûr qu'il y a autre chose que vous voulez. Mais pour qui tu te prends? Le mec qui veut négocier les pieds dans le vide. Arrête! Arrête! Tu vas faire une annonce dans tout Midgar. D'abord, tu vas parler du secteur 7, dire toute la vérité sur ce qui s'y est passé. Ensuite, tu vas laver la réputation d'Avalanche. Avalanche n'est à la solde de personne! Jour après jour, notre groupe se bat pour sauver le peuple et la planète de la Shinra. Tout ça au péril de nos vies! Tu vas leur déclarer, la Shinra se soumet à Avalanche. Tu vas le jurer! Lavez votre honneur. C'est donc cela que vous voulez. Je vois que c'est important. Que cela compte plus à vos yeux que l'arrêt des réacteurs Mako ou l'avenir de la planète. Hein? Putain! Vous êtes vraiment trop naïf. La vérité, l'honneur, la gloire, la liberté. Que de vanité frivole. Imaginez, que serait l'avenir sans la Shinra? Un monde sans énergie Mako, tout serait vide et mort. Croyez-vous vraiment que le peuple serait prêt à endurer une vie de misère pour échapper à la menace abstraite d'une catastrophe potentielle? Ça a dû vous plaire de jouer les justiciers de la planète. Mais le rêve est fini. Pour l'heure, demandez-vous si votre vision de la justice est vraiment légitime. Réfléchissez bien, car votre temps est compté. Mais toi, Président Shinra, c'est quoi la justice pour toi? Imbécile, tu n'as rien compris à ce que je viens de te raconter, c'est ça? Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Saisir toutes les opportunités. Éliminer les gêneurs et les gens inutiles. Je n'ai ni compassion, ni culpabilité. Enfoiré! Ce truc, c'est... c'est ça, la source de tout.